Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un retour Shein. On est encore sur une campagne avec des promos, donc je vous laisse code promo. Je vous mettrai comme d'habitude photo du site, prix et je vous donnerai mon avis objectif sur tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, on a pas mal de petites choses. J'ai pris des chaussures, j'ai pris des bottines parce qu'il faisait pas encore très beau par chez nous et au final il commence à faire beau, donc la loose. J'ai pris quand même une paire de claquettes, enfin de chaussures ouvertes. J'ai pris des vestes en sans tailleur et des petits tops qui commencent à arriver à l'été, mais c'est léger en petit top d'été, mais ça viendra, promis. Donc c'est tout, on s'attarde pas, on commence tout de suite par un petit pantalon et un petit top. J'ai essayé de moderniser, de tout ouvrir. Vous savez que tout est très bien emballé comme d'hab chez Shein, avec un petit sachet, un petit truc, donc je vous déballe tout, au moins on est tranquille. Là j'ai repris un petit haut. Vous savez que j'aime bien ces hauts-là, à manches, comme ça. Donc il a l'air très bien, j'en ai déjà acheté plein sur Shein, ils sont top. C'est une matière, je ne sais pas comment dire, un peu type maillot de bain, mais pas trop. Enfin, elle ne fait pas type, c'est pas la matière qui fait type faux maillot de bain. Enfin voilà, mais en tout cas, j'aime trop. Il fait asymétrique en bas, comme ça. Donc on va voir ce que ça donne porté, je pense que ça ira sans problème. Et j'ai pris un pantalon, mais il est lourd, ça a l'air d'être une pépite, j'ai trop hâte de l'essayer. On est sur un petit pantalon, je l'ai pris en taille M également. C'est de la catégorie Shein Mood, et franchement, il est lourd. On a un petit détail ici, on peut mettre la ceinture qui est fournie avec d'ailleurs. On a la petite ceinture, j'allais oublier de vous la présenter. On a la petite ceinture comme ça qui va avec, donc trop beau. Il fait ample et tout, avec des petites baskets et des petits tops d'été. Ça va être génial. D'ailleurs, je pense qu'on va le porter et le garder pour essayer plein d'autres choses. Donc voilà, on est parti pour l'essayage de ça et on verra par la suite. Voici pour les petits tops. Le voici porté. J'ai un petit peu peur à ce niveau-là. À tout moment, il y a un nichon qui se sauve, si je vous le dis. Donc un petit peu déçu quand même par celui-ci. J'ai peur, il me fait peur. Le top me fait peur. D'habitude, ils sont quand même bien avec un élastique qui va jusque là. Là, c'est ample ici. Donc vous voyez, un peu de geste. Le pantalon, je suis dégoûtée aussi. Je suis vraiment dégoûtée. Il est trop court, il est trop beau. Mais au niveau des pieds, il est vraiment beaucoup trop court. Il arrive vraiment, ça me fait... attendez, je vais vous baisser un peu que vous puissiez voir les pieds. Là, j'en verrai. Mais voilà. Je suis sur la pointe des pieds, mais vous voyez le délire, quoi. C'est vraiment, vous mettez même une paire de baskets, ça va pas. Donc ouais, je suis deg. En attendant, la matière est top. Je remonte. En attendant, la matière est top, mais ça conviendrait peut-être à une fille un peu plus petite que moi. Donc je fais 1m68, il faudrait... pour des filles d'1m60, pas plus, pour que ça englobe bien la basket, si vous mettez des baskets avec. Enfin, voilà. Dommage. On part sur une paire de choses. Voilà, franchement, j'ai regardé un peu hier. Alors, j'ai gardé l'emballage que sur celle-ci, parce que je pense que je vais le garder pour les ranger dans l'armoire. Mais elles sont trop belles. Regardez ça. Je ne sais pas pour quelle occasion je vais mettre ces chaussures-là, je ne sais pas. Mais voilà, elles sont vraiment canons. Peut-être qu'on les essaiera. Donc ça, avec ce pantalon, c'est pas possible, quoi. Vous allez plus qu'aux fraises, hein. Vous allez aux fraises. En tout cas, c'est très bien emballé. Elles sont dans des petites trousses comme ça. Peut-être qu'on les essaiera avec autre chose, un petit top ou autre. Vous avez une fermeture ici. Pour les chaussures, je prends toujours ma taille habituelle. Je fais un 37, je prends du 37. Ça a toujours été, j'ai jamais eu de problème avec les tailles au niveau des chaussures. Donc voilà. Ça c'est top. On trouvera bien quelque chose avec quoi les mettre. Et on va se faire une petite veste. Petite veste noire, ça fait longtemps. Encore du noir, oui. Encore dans le mood noir, évidemment. Petite veste de blazer qui est doublée, donc ça c'est plutôt cool. En fait, je l'ai pris parce qu'elle était toute simple, les petits boutons noirs, etc. Petite poche, mais vraiment simplette. Et pourquoi je l'ai prise? Je sais plus, j'ai un souci avec la mienne. J'en ai repris une parce que j'en ai toujours une petite veste de tailleur noire, mais oh, ben, je sens qu'elle cintre un petit peu dans le dos.
Je la trouve vraiment belle. Je vais vous baisser un petit peu encore. Décidément, on ne va pas réussir à régler. Hop, à régler la caméra aujourd'hui. Ouais, très bien. Basique, ça passe avec tout. C'est chic, un petit blazer noir. Il ne fait pas cheap du tout. Il est vraiment beau, un petit couleur passage quand même. Non, non, il est vraiment très très beau. Même avec la tenue, c'est très très beau. Voilà. Rien à dire de plus sur ce blazer. Très bien. On va continuer dans les petits tops. Du coup, j'ai choisi ce petit top qui est dans la même catégorie que le pantalon. Petite chemise un peu comme ça. J'ai l'impression que ça fait un peu pyjama, non? Parce que comme j'ai commencé la vidéo en rose, ça c'était un ensemble pour la maison pyjama que vous pouvez porter dehors, bien évidemment. Mais je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu pyjama, les petits... On verra porter ce que ça donne. Je crois que c'est un truc qui n'a pas de bouton jusqu'en bas. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui se ferme juste ici au niveau de la poitrine. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai pris en taille M. Je reprends tout en taille M parce que de prix, mais un an à peu près, j'ai pris 10 kilos. Hein. Qu'on soit clair, voire même un peu plus. Voire même un peu plus. Donc voilà. On va essayer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne, ce petit top. Effectivement, c'est bien ouvert juste ici. C'est pas mon truc. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un truc ouvert comme ça. Je me suis peut-être dit en pensant que j'allais mettre quelque chose en dessous. Mais c'est très beau pour les jeunes filles ou des dames qui aiment bien porter ce genre de choses. Moi, j'aime pas. Je trouve que voilà, j'ai du ventre en plus. Non, j'aime pas du tout. Mais le top en soi est mignon. Enfin, les manches sont très belles, etc. Mais je vois ça plus sur une jeune fille que voilà, sur moi pour aller bosser et tout ça. Non, non, non merci. Allez, on continue avec un petit accessoire et une chemise. J'ai un débardeur noir comme d'habitude, donc si vous le voyez à travers, c'est normal. Hop, du coup, j'ai pris un petit sac comme ça. Je me suis dit, comme je pars bientôt en vacances, pour y mettre bah, voilà, vos petites affaires de plage. Je pense que c'est pas trop mal. Excusez-moi. Il faut aussi, également, je pense... je sais pas, vous prenez un petit sac pour mettre votre petit repas pour aller bosser. Franchement, c'est pas mal non plus. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Il a des petites pochettes un peu partout, sauf à l'intérieur. C'est juste un sac vraiment, vraiment basique, mais qui va bien me servir en tout cas. Donc voilà pour ça. Donc pas grand chose, mais il faut que je vous le montre quand même. Ensuite, je suis partie sur une petite chemise assez ample. J'ai pris quelle taille? Je crois que j'ai pris taille M. Je ne vois pas. L'étiquette est ici. Bon, on a une étiquette aussi. Ah, c'est de la marque Daisy. Pourquoi XL? Alors, Daisy, quand vous commandez, c'est bizarre parce que parfois, c'est... vous commandez un XL et le XL correspond à un 38. Donc, voilà. Donc, c'est assez... Mais c'est indiqué sur le site. Donc, c'est sûrement pour ça que c'est du XL, mais je ne sais pas. Du coup, on verra porter ce que ça donne. En tout cas, elle a l'air vraiment pas mal au niveau du tissu. C'est un tissu coton, donc ça, c'est difficile à repasser. Donc, je pense qu'elle n'est pas très, très bien repassée. Mais voilà, ça m'embête quand c'est difficile à repasser. On a des petits nœuds ici pour venir resserrer au niveau des manches. Donc, ça, c'est mignon. Allez, on essaye ça tout de suite. Et au niveau des épaules, je crois que c'est un petit peu bouffant juste ici. On va voir. Voilà ce que ça donne porter. Donc, je pense que je me suis enflammée et que je me suis trompée au niveau de la taille. Je sais plus lequel correspond à XL. C'est peut-être pas Daisy, c'est peut-être autre chose. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, au niveau de la chemise, c'est très beau. On voit un petit peu à travers, mais j'ai un débardeur noir. C'est tout à fait normal. Ici, vous en faites un peu ce que vous voulez. Vous avez des petits boutons là pour resserrer un petit peu au niveau des manches. Mais en soi, moi, la porter comme ça, ça ne me dérange pas. Vraiment, elle est très belle, je trouve. Porter comme ça, ça ne me gêne pas du tout. Je ne la mets pas du tout en valeur avec le débardeur noir en dessous. Je suis vraiment désolée. Mais vraiment, la taille ne me gêne pas. J'aime bien. J'aime bien porter des choses assez larges. Donc, généralement, je prends des tailles au-dessus. Donc c'est parfait. Hop, je vais fermer l'autre côté. Donc voilà. Juste le truc qui va m'embêter, c'est que ça allait un peu difficile, je pense, à repasser. Ça va être chiant. On va rester dans le rose. Et là, j'ai pris un petit top comme ça pour les vacances. Il est trop beau.
un petit top de nu comme ça. Je comptais sur ce pantalon pour faire deux de mes tenues en mettant deux petits tops comme ça, mais bon, tant pis, le pantalon ça ne va pas, donc bon, j'espère que je trouverai un pantalon. Oui, normalement j'ai ce qu'il faut, mais voilà, je suis un peu dégue. Donc c'est tout, on va essayer ce petit top là, on va voir ce que ça donne. Voilà pour ce petit top, ouais, franchement j'aime beaucoup, il est trop beau. Il est trop beau, vous avez un petit dos nu. Pour les vacances, c'est génial. Vous mettez ça avec un petit pantalon ample. C'est top. Celui-ci, je l'embarque en vacances, c'est sûr. Non, trop trop beau, les couleurs, tout ça. J'aime vraiment bien. Très beau. Ici, vous avez de quoi resserrer. Faites pas attention, j'ai replié mon soutien-gorge et mon débardeur. Donc, voilà. Mais vous pouvez resserrer juste ici. Très bien. Très beau. On continue dans les petits tops et j'ai pris celui-ci. On change de look total pour un petit top tout mignon comme ça. C'est très très beau, peut-être avec un petit jean ou quoi, pour le printemps, enfin c'est top. Ça c'est Daisy également et je crois que pareil, il y a une petite erreur dans la taille peut-être. Je sais pas, j'ai pas la taille, je sais pas ce que j'ai fait. Non, là c'est du M. Ah, c'est moi, je me suis trompée pour la chemise du coup. Bon, tant pis. Là on est sur du M, donc très beau. On va... aussi faire un petit accessoire avant d'essayer le petit top. Allez, on va partir sur ça. On va partir sur les chaussures ouvertes. Enfin, on est là. Dans les petits hauts. Donc pareil, très bien emballé. Ça, c'est la marque Cusco. Cusco, je crois. Je crois que ça se dit comme ça. Cusco, Cusco. Je sais pas si vous allez le voir. Plutôt la marque Cusco. Et franchement, j'ai trouvé trop belle. Regardez ça, en plus elles sont très très bien emballées. Hop, elles viennent se mettre comme ça au niveau de la cheville. Je vais enlever tout ça, hop, pour vous montrer les petits détails. Mais sur les petits détails dorés. Voilà, la semelle est quand même relativement grosse. Donc comme d'hab, j'ai pris du 37, ma taille habituelle. Donc voilà au niveau des choses. Trop belle! Et c'est la marque Cusco. Cusco. Voilà, très jolie. Après, c'est pas élastique au niveau des lanières. Hein. Si jamais vous avez un pied un peu large, mais moi, je pense que c'est un peu juste. Ici, vous pouvez les resserrer. Faudrait voir. Mais voilà, même au niveau de la cheville. Oui, ça va. On ne sait jamais. Hop, je vais les mettre là. Et on va essayer le petit top. Voilà ce qu'il donne portée. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Ça passe partout. Ça fait chic pour aller au travail. Franchement, top. Hop. Pour vous montrer à peu près la longueur. Bon, c'est quand même plus joli dans le pantalon. Hop. Dans un autre pantalon, du coup. Mais, ouais, c'est vraiment pas mal. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Débardeur noir en dessous, par contre, là, on voit pas du tout que j'ai un débardeur noir, donc franchement il est de très bonne qualité. Donc voilà, je pense que c'est des faux. Ouais, ce sont des faux boutons, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Ça c'est très bien. Donc voilà pour celui-ci. Oh, je mets un petit peu en détail. Très beau. Je pensais avoir bientôt fini, mais j'ai encore 2, 3, 4, 5 articles. Et il est 10h-20 et j'ai rendez-vous à 10h. À 10h, donc je crois que ça va être compliqué. Je vais couper la vidéo et je finirai tout à l'heure. On va finir avec déjà un petit top comme ça. Alors, il est très lourd, très épais. Et regardez les détails. C'est très joli, mais pareil que le petit top précédent, je trouve que ça fait un peu pyjama. Je trouve que ça fait un peu pyjama, donc à voir porter, parce que ça se porte, elle se porte quand même assez longue. J'ai pris en taille M. Et ouais, je sais pas, ça me paraît... vous me direz ce que vous en pensez, on va l'essayer. Déjà, on verra ce que ça donne, on va pas porter de jugement tout de suite. Mais ouais. Voilà ce qu'il donne, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça fait quand même un petit peu pige. Ouais, tenue du dimanche, quoi, tranquille, ça fait pas ultra chic. Malgré que franchement, l'épaisseur du tissu, il est doublé, c'est incroyable. Mais, ou je sais pas avec quoi l'associer, quoi. Je sais pas trop. En tout cas, c'est élastique. Moi, je sais pas. Je sais pas, j'ai un petit doute sur cette chemise.
Je ne sais pas. Ensuite, on est sur un ensemble tailleur. J'ai changé de pantalon et du coup, j'ai mis le pantalon déjà sur moi. Mais écoutez, il est hyper agréable. Il est trop beau. On est sur une couleur. C'est la même couleur que mon canapé. C'est un beige, mais qui tire un peu sur le gris. D'ailleurs, j'avais été déçue quand j'ai acheté mon canapé parce que je le voulais beige et il est arrivé beige gris un peu. Donc, un peu comme ça. Donc, quand c'est ça, vous êtes deg. Mais il considère ça comme un beige et je savais que c'était cette couleur sur le site. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, au niveau de la veste, le pantalon, je le porte sur moi. Il est trop beau d'ailleurs et il taille très bien. Pour la veste, il manque une petite doublure peut-être, mais petit tailleur d'été, pourquoi pas. On est sur cette catégorie-là et on essaye tout de suite. Oh, j'aime trop, c'est trop beau. J'ai oublié tout le monde, essayer un petit top là. J'aime trop. Vraiment, trop trop beau. Il est incroyable cet ensemble. Franchement, il est léger, il est facile à porter au niveau du pantalon. Voilà, il est trop beau. Tout va bien au niveau des pieds, il est vraiment pile poil à ma taille. C'est parfait, il est trop trop beau. Trop trop beau. Est-ce que je reste habillée comme ça? Pourquoi pas? Et je file à mon rendez-vous. Et je file à mon... Oh, pas pour faire les courses, c'est chiant d'aller faire les courses bien habillée. Oh, ce côté, je vais me changer. C'est tout entre deux. Et j'avais un rendez-vous, donc du coup j'ai dû partir. Et on continue du coup avec ce petit haut. J'ai l'impression que c'est du lin. Je suis pas certaine, mais j'ai bien l'impression que oui. On est sur Daisy encore. En taille. Je vais souffler, je vais monter les escaliers. Je dis allez hop, j'enchaîne direct la suite de la vidéo. Comme ça, c'est fait. On est sur un taille M. Je pense qu'avec le top noir en dessous, elle va être un peu transparente. Et un... Alors, je sais pas. Ça doit faire un petit col comme ça. Ah, ok. Ça se replie quand vous la repassez. Comme ça, vous ne voyez pas les petits boutons. Ok. Petite poche juste là. Allez, on va essayer. Soit j'ai un problème de compréhension vis-à-vis des boutons. Soit il y a réellement un problème. Parce que si vous voulez laisser le col... Oh, comme ça, c'est mieux. Ah, comme ça, c'est mieux. Ça fait un petit côté asymétrique, mais comme ça, c'est un peu mieux. En le mettant dans le pantalon, ne faites pas attention. Il faut mettre, je pense, un petit débardeur. Mais c'est transparent quand même. Hein. Un débardeur, on voit la couleur de ma peau. Un petit débardeur blanc en dessous. Je sais pas. Là, je sais pas. Ça fait un petit peu blouse... blouse d'infirmière boulot, là, blouse de docteur, vous voyez, mais avec un petit jean, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose, je sais pas. J'ai un gros doute sur cette chemise. On continue avec cette paire de boots. Moi, j'ai repris des boots, voilà. Figurez-vous que maintenant que j'ai des chaussures aux pieds toute la journée, figurez-vous que je sens, je sens des pieds dans ces chaussures, c'est atroce. Et du coup, encore plus quand il y a du tissu comme ça, voilà, je trouve qu'elles sentent vite mauvais. Donc voilà, j'en ai repris. Et celles-ci ont l'air vraiment plutôt confortables. Ça fait un petit peu botte en caoutchouc. Toujours en taille 37, écoutez. Et on a quand même des grosses semelles. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, au niveau des bottines, j'ai jamais rencontré de soucis. Donc franchement, c'est top. Et on va terminer avec une veste en simili-cuir. Un peu, je sais pas, c'était les Bombers. Je sais pas, c'était la tendance en quelle année ça? Les gros Bombers en cuir comme ça, c'était vraiment un truc de fou. Donc je sais pas, j'en voulais un. À voir comment je m'accessoirise et tout, mais on va essayer voir ce qu'il donne. Par contre, je l'ai pris en quelle taille? En tout cas, il est bien doublé et tout ça, il est vraiment très épais, plutôt beau. On a une fermeture basique juste ici et la taille à XL. Alors, Daisy, je ne sais pas, il y a des problèmes avec les tailles. Hein. Vous pouvez leur faire attention quand vous commandez la catégorie Daisy, parce que c'est... Quand vous tapez XL, c'est 38. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est bizarre. Voilà ce qu'il donne, le petit Bombers.
Oh, c'est pas mal, mais je pense qu'il est trop grand. Mais ouais, c'est pas trop mal. Bon, pas. Hop, on va enlever les lunettes, on va trouver autre chose. On fait une autre coiffure, on se fait un tube plus rock'n'roll. Mais en soi, ouais, c'est sympa. Une petite veste comme ça pour être. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. J'ai un doute, soit problème de taille là, soit je sais pas, j'ai un doute. J'ai vraiment un gros doute là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'était le dernier article de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse tout en barre d'infos, les liens des articles de cette vidéo, le code promo, etc. Vous avez tout d'indiqué. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur la petite sélection que je vous ai faite. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle sélection de décoration maison. Je sais que vous avez vraiment apprécié cette catégorie de vidéos sur Shein. Donc on va se refaire une très très bientôt. Et je vous sortirai également mon vlog. Mais je pense que vous allez avoir le vlog avant cette vidéo. Donc voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à très vite.